Yamos, Jobo, comment tu vas? Bonsoir tout le monde. C'est Dave Foster. Venez en causer un peu. Hein? Venez en causer un peu. Je ne suis pas encore sorti aujourd'hui. Je ne peux pas ne pas sortir. Et vous savez ça. Je ne peux pas ne pas sortir. Il faut que je sorte. Tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti. Ça ne reste que moi. Écoutez un peu de musique et puis on va causer un peu. Tu vas bien? Je suis en jaille. Je suis en jaille. Oh, come on. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc là? Mon téléphone va mourir. Oh. Mon téléphone va mourir. Oh. Mon téléphone va mourir. Oh. Une journée busy, ben ensemble. Je veux qu'on cause un peu. Je veux qu'on cause un peu. Que je de rapide. Hein. Que je de chap. On va pas trop duer. Voilà. On va pas trop duer. On sort en bas et puis on s'en va. On n'a pas le temps à perdre. On n'a pas le temps à perdre. Tellement j'ai fait le partage. Moi-même, pour partager ma vidéo, il y a un problème. Hein? C'est pourquoi on partage plus quand on va s'y pas des gens. Quand on va s'y pas des gens, on partage plus trop. Parce que quand tu partages tout là-bas, toi-même après pour partager tes vidéos, même tu as problème. Mais je suis venu pourquoi on cause un peu de tout et de rien. Il y a un jeune que je suis sur la toile qui avait commencé quelque chose que j'avais voulu commencer aussi dans le passé. Mais quand tu es tenté par l'esprit de Congo, ça, tu perds ta ligne. Quand tu es dans l'esprit du Congo, ça, tu perds ta ligne. Et le jeune, je suis content de voir que franchement, il est en train de cartonner sur YouTube, il cartonne sur TikTok, il cartonne partout. Parce que voilà, il a gardé sa ligne éditoriale, ce qui est important. C'est important de garder sa ligne. Mais c'est pas mauvais aussi. C'est pas mauvais d'être un peu djandjou comme nous autres. Là. Lui, il y a quoi? C'est pas mauvais d'être djandjou comme nous autres. Là. Parce que parfois, la monotonie. Au fait, moi, mais je suis quelqu'un. Je n'aime pas trop la monotonie. I like to be versatile. I like to be versatile. C'est pourquoi Audi me voit en jaune. Demain, me voyant en bleu. Après, demain, je suis en blanc. J'aime pas trop la monotonie. Donc, je ne regrette rien. Je ne regrette rien de mon blog. Voilà. Ce que je dois peut-être continuer dans mon blog. C'est la consistance en faisant les vidéos YouTube. Voilà, c'est tout. Sinon, à part ça, tout ce que j'ai fait me plaît. Donc, peu importe que j'ai une personne qui me regarde, deux personnes qui me regardent. Yeah, I'm happy with it. Yeah. Parce que j'ai commencé l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Franchement, j'ai pas à reprocher quoi que ce soit. J'ai pas à regretter quoi que ce soit. Et le jeune, quand je le regarde, j'ai vu une de ses vidéos la dernière fois. Il parlait de la mort. Il parlait de les gens, ils attendent, c'est quand il y a la mort. C'est quand il y a la mort que les gens viennent pour amasser des sommes qui pourraient peut-être être utilisées pour soigner au fait les malades. Et lui ne comprend pas ça. Bon, il comprend, mais bon, vous voyez, des fois on vient, on dit des choses, on comprend, mais on vient, on dit ça comme ça pour juste faire de petites vidéos pour amener les gens à parler et puis dire ce qu'il veut dire. Mais c'est intéressant, quand j'ai écouté ce jeune homme, ça, c'était intéressant parce que c'est pas quelque chose de nouveau ce qu'il dit. Et ça, c'est pour répondre aussi à ceux qui viennent à chaque fois pour dire « Oh, ça c'est un sujet que quelqu'un a déjà parlé de ça, tout ça. » Je vous dis toujours ce qui est sur la toile là. Il n'y a pas quelqu'un qui a commencé avant l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui a fini avant l'autre. Donc même s'il vient pour parler d'un sujet que Coach Amanda a déjà parlé, s'il vient pour parler d'un sujet que tel coach a déjà parlé, c'est la manière de délivrer, c'est la manière de délivrer le message. Et puis la répétition, la pédagogie. Parce que pourquoi des gens ont parlé de quelque chose il y a 10 ans de cela, et ces personnes-là viennent pour parler encore de ça aujourd'hui? C'est parce que vous n'avez pas changé de comportement. Et si vous ne changez pas de comportement, il se veut que la répétition soit pédagogique. Donc arrêtez vos commentaires qui peuvent encourager certaines personnes. Moi, je vous dis que je ne mets pas dans le lot des personnes qui se découragent. Mais vos commentaires peuvent décourager certains petits frères ou petites sœurs qui veulent commencer certaines choses. Des commentaires à caractère, à caractère nuisible. Arrêtez les commentaires à caractère nuisible. Il n'y a pas quelque chose
que grand-papa de quelqu'un n'a pas dit. Il n'y a pas quelque chose que maman de quelqu'un n'a pas dit. Il n'y a pas quelque chose que tonton de quelqu'un n'a pas dit. Mais la répétition, elle est importante. Sinon, tout le monde sait. Tout le monde sait que si un garçon te gifle, il faut plus permettre à ce garçon de te gifler. Voilà, mais quand on vous répète, c'est parce qu'il y a certaines personnes, un garçon les gifle, mais elles repartent avec ce garçon jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, quand il parlait de ça, je me suis dit que oui, c'est important que je vienne aussi pour parler de ça. Certaines personnes diront que oh, tu triches ici, tu triches là-bas, mais ce n'est pas grave. Oh, pourquoi il m'appelle? Tu triches ici, tu triches là-bas. Donc, en gros, je voulais aussi faire savoir, parce qu'il n'a pas eu à élaborer, il a parlé juste en une minute, deux minutes. Alors, je vais dire à ceux qui peut-être regarderont ma vidéo un jour, pour que ces personnes la sachent, les raisons pour lesquelles certaines personnes n'aident pas quand les gens sont malades. Ils attendent peut-être quand il y a la mort. Nous sommes dans un monde de diable, un monde de Satan, un monde où les gens c'est le miisme. Les gens c'est moi. Chacun veut qu'on parle de chacun. Voilà, il y a des gens, ils sont prêts à te tuer même pour avoir la gloire. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, certaines personnes penseront que c'est quelque chose d'extravagant ce que je dis. Certaines personnes penseront que c'est exagéré. Mais croyez-moi, mais croyez-moi, petit frère, croyez-moi, petite soeur, croyez-moi, tanti, bon, tanti, vous devez savoir. Mais les petits frères, les petites soeurs qui ne savent pas, oui, les gens peuvent te tuer pour avoir de la gloire. Les gens le font. Hein? Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Ukraine et Russie. Tout ça, là, c'est à cause de quoi? C'est pour que chacun montre qui est plus fort que chacun. Donc, les gens peuvent te tuer par rapport à la gloire. Donc, les funérailles qui sont là pendant qu'il y a des malades qui peuvent, en principe, se faire soigner. En Afrique surtout, j'ai mis le titre, j'ai mis N, j'ai mis point de, you know, des tirets, parce que j'ai pas voulu, voilà, je veux pas que YouTube, qu'est-ce qu'il y a dans mes yeux là? Je veux pas que Facebook peut-être pense que je veux parler mal des noirs. Donc j'ai pas mis noir, mais au fait c'est de noir je voulais parler, parce qu'on voit ça plus sur le noir. Tu vois ici en Europe, you know, les Européens, ils sont, les Européens pas forcément noirs, les Européens de peau blanche et autres là, ils sont mieux. Dans les leaky, ils sont mieux dans les GoFundMe. Quand quelqu'un a un souci, j'ai regardé un TikTok la dernière fois. Il y a un jeune homme qui fait beaucoup de TikTok. Il a sa communauté qui le suit. Et ce dernier, il faisait un TikTok et il a cassé son lit. Il a cassé son lit, donc il a fait un leaky. Bon, vous appelez ça leaky. Mais si c'est GoFundMe, il y a d'autres noms aussi. Donc, il a fait ça pour pouvoir payer son nouveau lit qu'il a cassé en faisant plaisir à ceux qui le regardent. Et aussi pour payer le dépôt de sa voiture, sa nouvelle voiture. Sarah Mara, comment tu vois? Les gens ont payé même plus que ce qu'ils attendaient. Vous voyez, il est aux États-Unis. Les gens ont payé plus que ce qu'ils attendaient. Donc ici en Europe, en Amérique, dans les pays européens, les gens ont la peau différente que le noir. Ils sont prêts à t'aider. Il y a des noirs. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de noirs qui aident. Il y a des noirs qui aident. Il y a des noirs qui aident. Mais voilà, je veux dire que la majorité des noirs, ils ne sont pas gentils. Au fait, ils veulent te voir dans la misère. Ils veulent te voir souffrir. Pour venir après, pour qu'on dise que oh. Tu vois, quand lui là, il souffrait et puis il est décédé là, oh, c'est lui là qui a donné 15 millions. Oh, c'est lui là qui a donné 10 millions. Donc voilà, les gens, ils aiment se faire voir quand il y a le malheur. Mais quand quelqu'un est dans la souffrance pour que cette personne là guérisse, mais que cette personne là, you know, devienne quelque chose de bien, non. Ils ne sont pas prêts. C'est là, ils vont dire, oh, il y a l'endroit des parents. Est-ce qu'il n'a pas de parents? Pourquoi ses parents ne s'occupent pas de lui? Donc, mes petits frères qui ont tombé sur ce genre de vidéos où les gens s'interrogent. Pourquoi c'est quand il y a la mort que les gens viennent? Oui, les gens viennent quand il y a la mort pour se faire voir. Comme ça, on dit que oh, vous voyez le monsieur qui est là-bas là. Ah, monsieur Seri, oh, le monsieur Koulibaly, c'est lui qui a donné 25 millions. Mais monsieur Koulibaly était là, monsieur Seri était là. Il n'a pas voulu d'un lampe. Il se disait que oh, les parents sont où? Des fois aussi, les gens viennent dans les funérailles pour se faire voir, pour avoir femme. Il y a femme aussi qui vient pour avoir garçon. Les gens viennent pour avoir un comité de sorcellerie aussi. Quand il y a les malheurs, il y a des gens qui viennent pour se réjouir parce que dans ce malheur-là, ils vont bénéficier de quelque chose. Voilà, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est clair que ça peut-être vous faire bizarre de voir que les gens aident plus quand il y a les malheurs. Mais oui, c'est ça. Parce qu'ils ont gain de cause. Ils ont gain de cause. Brian, how you doing? Brian, est-ce que tu vois ce qui s'est passé sur la toile? Je voulais parler de quelque chose de différent. Voilà, par rapport à ce qui est sur la toile. Parce que sur la toile actuellement, c'est chaud. Sur la toile, c'est chaud de ouf. Et je ne vais pas être distrait. Donc, je me suis dit, attends, je vais venir pour parler de quelque chose qui va pas être écouté par les gens. Qui va pas être écouté par les gens. Mais c'est que ça va être écouté par toi. Les gens comme Brian qui sont intelligentes. You know? Les personnes intelligentes comme Brian.
qui veulent discuter de tout et you know, de bonnes choses. Hein? Et on parle de quoi? C'est pas dans ma bouche, j'abrais un piment. C'est pas dans ma bouche. C'est du loup. C'est du loup, Brian. Il y a trop de loup sur la toile. Donc, je suis venu, you know, 5 minutes pour qu'on cause parce que je dois rentrer tout de suite quelque part, vous savez. Voilà, donc je me suis dit que je vais venir pour parler de ça. Et puis, je voulais parler aussi d'amitié Mbrakata. D'amitié Mbrakata. Parce que voilà, il y a certaines personnes qui sont dans des amitiés qui ne les arrangent pas. Voilà, des amitiés qui ne les arrangent pas. Déjà, même une amitié, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer une amitié. Parce que si tu forces une amitié, vous le savez, hein, quand tu forces quelque chose, là, tout bien mal à qui ne profite pas. D'une quelque chose, tu forces. C'est-à-dire, toi, tu as forcé quelque chose. Donc, ton respect, même déjà, même, il n'est pas là. Parce qu'on s'est dit, oh, c'est toi qui as voulu être mon ami. Si demain, il y a problème, on dit, oh, je n'ai pas voulu, c'est toi qui as voulu. Pour la dignité même de quelqu'un, même, quelque chose, tu forces là, c'est pas à faire. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, comme ça là. Amour, amitié, on force pas. Parce que tu as forcé l'amitié, tu ne seras pas pris au sérieux. Quelque chose qui vient naturellement, voilà. Quelque chose vient naturellement, c'est propre. Ce sont les camarades, une Mbrakata, on voit sur la toile, on dit dans son camarade, demain, ils ne sont pas camarades. Les gens, des fois, font confiance à certaines personnes. Les gens pensaient qu'ils étaient amis à des personnes. Donc, ils ont eu à dire des secrets, à dire des choses. Moi, déjà, même quelqu'un même qui est camarade avec quelqu'un, et demain, quand ça ne marche pas, et la personne vient pour dire des choses sur cette personne. Déjà, moi, ça m'énerve. Déjà, moi, ça m'énerve. Je me dis que quand ça allait bien, là, ce que vous êtes eu à dire là-bas, là, gardez ça quand vous êtes là-bas. On dit quoi? Aïe, mais dis non. Non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire parce que c'est une question de... C'est une question de... Moi, je parle un peu des choses. Je préfère les choses de moralité, quoi. Parce que quand je veux parler de quelque chose, que je vois que dans la chose, il y a quand même des valeurs qui ont été détruites, ça me fait un peu bizarre de parler de ça. Parce que c'est des choses, tu vas venir parler de ça, c'est comme si tu prenais parti. Alors que dans une histoire, il y a toujours des versions différentes. Il y a toujours des versions différentes dans une chose. Donc, connaisseur va connaître de quoi je suis en train de parler. Pour savoir, au fait, ce que je suis en train de dire. Chacun va conclure dans sa tête. Donc, ça vous dit que dans la vie, il y a des gens qui sont peut-être gentils. Dans la vie, il y a des gens qui sont peut-être gentils. Et quand tu es gentil, dans la vie, là même, quand tu es gentil, là, des fois, tu te crées des problèmes. Voilà. Quand tu es gentil dans la vie, tu te crées beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Parce que quelqu'un qui est gentil, déjà, c'est quelqu'un qui, des fois, qui facilement fait confiance aux gens. Et ça, c'est quelque chose que je vais travailler, moi et ma personne. Quand tu fais confiance aux gens facilement, quand tu es gentil, tu fais confiance aux gens, tu laisses ces personnes à rentrer dans ta vie. Malheureusement, tu ne peux pas, en fait, même changer ce genre de comportement-là parce qu'on est avec. J'ai fait une vidéo qui a disparu la semaine dernière. Quand tu es gentil, même quand tu es devenu méchant parce que tu as eu de mauvaises expériences, you can't do nothing. Ton côté gentil, là, ça a sorti un jour. Même si tu es en train de faire la méchanceté, ça a sorti. Parce que ta nature n'est pas méchante. Donc, quand tu es gentil, malheureusement, tu es né comme ça, tu vas mourir comme ça. Mais il faut que certaines personnes pensent que dans la vie, quand quelqu'un vous a fait quelque chose de gentil, il faut des fois penser deux fois ou trois fois avant des fois jinzer, quoi. Avant de des fois jinzer. Parce que quand quelqu'un t'a fait quelque chose de gentil, c'est ça nos combattants ici. C'est ce qu'on combat sur la toile, l'ingratitude. C'est l'ingratitude en combat. Globalement, c'est quoi le sujet? Toi, Brian, c'est pas là que tu cherches. Hein? C'est pas là que tu cherches. Moi, il m'a à la gym. Moi, il n'est pas force. Il n'est pas force. C'est pourquoi il n'est pas à la gym. Là, pour... Quand il y a avoir force, il a commencé à parler force sur la toile. Il n'est pas force. Non, là, il faut me laisser où je suis là. Brian. Où je suis là, il faut me laisser, pardon. Il n'est pas force encore. Donc, c'est ça. Les amitiés Mbrakata. Les amitiés Mbrakata. Les amitiés où tu penses que tu es aimé. Alors que c'est toi-même qui est en train d'aimer à un niveau où... C'est pourquoi moi-même l'amour là, mais il n'a jamais connu. Je préfère... Moi, je m'aime bien moi-même. Avant que j'aime quelqu'un là. Je préfère m'aimer. Parce que c'est toi-même qui te connais. Tu te connais toi-même que quelqu'un d'autre. Donc, tu vas aller aimer quelqu'un d'autre. Ou dire qu'à un niveau où tu vas te mettre dans des problèmes. C'est pas à faire. C'est pas à faire. Donc, c'était une petite vidéo. Hein. Merci à celle qui met le cœur. Merci à celui qui a mis le cœur. Voilà, je voulais juste vous checker parce que c'est normal que je sorte. Je ne peux pas ne pas sortir. Hein? Tout le monde sort et puis moi, je ne peux pas sortir. À cause de quoi? Il y a Facebook ou quoi? Il fait live. Je suis un blogueur, après tout. Brian, donc c'était important que je sorte. Brian, il faut te renseigner sur la toile. Tu as à savoir de quoi on parle. Renseigne-toi.
Et pourquoi tu fais ça? Ce que tu fais, on appelle ça du lèche-vitrine. Non, non, je ne peux pas lèche vitrine. Mais j'ai mis titre. J'ai mis titre, j'ai parlé de qui ça? J'ai parlé de. J'ai parlé de personnes qui n'aident pas, ils aident que il y a la mort avant d'aider. Ces personnes-là, c'est des opportunistes. Voilà, ils aiment la gloire du miisme, la gloire de moi. Le miisme, c'est de moi. Et puis on a parlé de l'amitié Mrakata, voilà, des gens qui pensent qu'ils sont aimés alors qu'elles ne sont pas aimées. Les personnes là se laissent tromper par les personnes qu'elles pensaient aimer. Je parle de moi. Toi, tu as fait quoi? Brian, tu as fait quoi? Tu as fait quoi, Brian? Bala, tu avais quoi? Vous me dites. J'ai entendu chercher à partir. Sinon, hier, j'ai joué un live hier. Bala, pardon. Il est parti. On causait plus tard. On causait plus tard, Brian. Il n'y a pas de problème. Ok, mais gars, portez-vous bien. J'ai sorti plus tard. J'ai allé voir sur la toile ce qui se passe. Bon. Vous savez ce qui se passe, mais j'allais voir d'autres choses qui seront plus, voilà, qui seront mieux qu'on en parle. J'allais prendre des choses, je vais voir des choses qui seront mieux qu'on en parle. Et puis voilà, c'était votre boy défaut ça, ok? Salut Sanga, Sanga, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Je suis en train de partir. Portez-vous bien, c'est défaut ça, ok? See you later, bye.